Bonjour à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Un coup pour rien. C'est ce qu'on pourrait penser en voyant que 8 Français sur 10 jugent les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron insuffisantes ou si l'on s'en tient à la colère qui semble intacte, celle des Gilets jaunes. Le Premier ministre ce matin n'a pas changé de ligne, il a fermé la porte à un geste sur le pouvoir d'achat, pas de coup de pouce au SMIC en janvier prochain. Le gouvernement fait donc le pari de l'essoufflement alors que la mobilisation est en baisse, le pari de l'éclatement d'un mouvement qui a bien du mal à parler d'une seule voix. Pourtant difficile aujourd'hui euh, de voir encore une issue après 12 jours de conflit. Alors que peut-il se passer samedi La promesse de concertation organisée en région. Va-t-elle permettre aux Gilets jaunes de devenir une force de proposition Le dialogue engagé avec le gouvernement peut-il déboucher sur du concret Gilets jaunes, samedi ça recommence, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Querolle, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse, le CETAN. Je cite votre dernier livre, Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance, publié aux éditions Grasset. Sophie Fay, vous êtes journaliste, grand reporter, chef du service économie à l'Obs. Dans votre journal demain, on retrouvera notamment votre article sur les gilets jaunes intitulé Le dessous des cartes. Nicolas Chapier, vous êtes journaliste, reporter au journal Le Monde, chargé de la rubrique police. Vous étiez auparavant chef du service politique de votre journal. Euh, citons notamment. Notamment votre article Face aux gilets jaunes, policiers et gendarmes en état d'alerte. Enfin, Jean-Garrig, vous êtes historien, spécialiste de la vie politique. Vous présidez le comité d'histoire parlementaire et politique. Vous enseignez à l'Université d'Orléans et à Sciences Po Paris. Votre dernier livre, La République des traîtres, est publié chez Talandier. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Ça n'aura donc servi à rien, le discours d'Emmanuel Macron, Roland Carroll oui, c'est peut-être même encore un peu pire, parce que tant qu'on attendait Macron, on pouvait se dire, ah, peut-être qu'il va y avoir une porte de sortie. Macron a parlé, et c'est encore pire, puisque Macron ne pouvait pas répondre aux angoisses qui sont exprimées. On est dans une situation assez extraordinaire, assez... Inédite Inédite, et dont on voit plus mal que jamais une vraie porte de sortie, parce qu'au fond... Personne peut être contre les gilets jaunes. Vous ne pouvez pas être contre la misère, vous ne pouvez pas être contre la souffrance, vous ne pouvez pas être contre les inégalités. Donc tout le monde en rajoute. Ah, ces pauvres gilets jaunes, ils disent la souffrance du mmh. pays. Et en même temps, si vous êtes un gouvernement, vous ne pouvez pas donner satisfaction. D'abord, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas une liste de choses demandées par les gilets jaunes. Il y en a une. Non. Non pas vraiment une liste auquel puisse répondre un gouvernement. Vous, ça veut Par dire exemple, baisser toutes les taxes, c'est ça que vous voulez voilà, dire ouais, Baisser toutes les taxes, augmenter le SMIC. Euh, tous les représentants des PME sont là, en train de monter la garde devant le gouvernement, en disant surtout pas toucher le SMIC la moitié de nos PME ferme demain. Ce qui n'est pas forcément excellent pour l'emploi. Bon, donc voilà, on, on est devant une impossibilité du gouvernement à donner satisfaction. Et on sentir pour le moment, par un discours de la méthode, renouvelé. Euh, bon. Et dont je ne dirais pas qu'il ne marchera pas d'ailleurs, hein, à la longue. L'idée de territorialiser la discussion, l'idée de relancer les corps intermédiaires, voilà, ne plus avoir cette espèce de face-à-face -face absurde entre des gilets jaunes qui veulent tout. Et un gouvernement qui ne peut rien, euh, voilà, il, il vaut bien falloir, il faut bien décentraliser, se mettre à discuter, mettre les gens en face à face. Donc je pense que cette ce, cette avancée de Macron euh, sur la méthode peut, in fine, servir à quelque chose. Mais dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, il n'y en aura jamais assez. Et et puis qu'est-ce que vous voulez Dans un mouvement social, il y a aussi le, le fait que des gens prennent du plaisir à être ensemble. C'est comme ça, on le voit dans les occupations d'usines, on le voit dans les grèves, on le voit là entre les gilets jaunes. Ils sont contents de se retrouver dans leur carrefour, et encore mieux si on peut monter à Paris. On va aux Champs-Élysées, comme l'équipe de France le fait. Ils foot. veulent se faire entendre. Ils ne passent pas que des bons moments hein, sur les ronds-points, euh, je pense, Roland-Carol. Ce pas vous... facile de tenir depuis deux jours. Non, ils, ils vous raconteront le contraire. Qu'il y a un vrai plaisir à se retrouver ensemble. Mmh. C'est la galère, bien sûr, d'être là. On prétend qu'on préférait boire le café tranquillement à la terrasse. Non en vérité, ils sont très contents d'être là parce qu'ils existent, ils sont ensemble, ils ont d'autres gens comme eux avec eux il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Le problème, c'est que, on l'a dit cent fois, il n'y a pas d'objectif précis, il n'y a pas de leader précis et donc pourquoi une fois de plus à Paris Et c'est dangereux Paris et on l'a vu quand même. Moi, j'étais ouais. aux Champs-Élysées cet après-midi. Euh, on, a, on est loin d'avoir réparé les dégâts euh, de samedi dernier, ouais. commencer par les pavés enlevés sur toute une bonne partie des champs. Donc on comprend bien que tout le monde soit un petit peu tendu devant ce nouveau samedi. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas au moins se donner une heure de début, une heure de fin tiens? Dans les manifs, ouais. en général, on se réunit à telle heure, et puis le cortège se termine à telle heure, et on leur dit, puis éventuellement, un, un, un rendez-vous final pour un apéro quelque part. Là, cette espèce de truc où il n'y a pas d'heure non plus, où c'est toute la journée, et ouais. on s'ennuie, et on sent les provocations d'en face. On, on va en y en venir ajoute. sur la journée de samedi, vous ajoute. avez raison, c'est aussi ce qui nous réunit une nouvelle fois ce soir sur ce sujet-là, mm. c'est qu'on se disait peut-être au soir du discours d'Emmanuel Macron, voyons comment ça infuse, il a donné l'impression... Bah de les citer, de les considérer, d'écouter cette colère, de leur parler, de recevoir une partie des gilets jaunes. Alors c'était François de Rugy qui s'en est chargé. Peut-être le Premier ministre le fera-t-il On s'est dit tiens est-ce que ça peut faire retomber un peu la pression Et puis, depuis hier, on voit les réactions des Gilets jaunes, qui sont encore, hein, pour certains, sur les blocages, partout en France. C'est pas simplement et surtout pas à Paris que, que ça se Moins passe. Moins qu'avant, quand même. Moins qu'avant. Vous, vous nous le direz peut-être tout à l'heure, mais les chiffres du ministère de l'Intérieur disent que la mobilisation est en baisse. Mais on voit, dans les sondages, 80% des Français jugent que les mesures sont insuffisantes et continuent, majoritairement, de soutenir ce mouvement. Alors, on voit bien que entre eux, dans les Gilets jaunes, il y a des, des revendications très différentes. Quand on repart de la, la pétition qui a tout, oui. tout lancé au point de départ, très, euh, les ambitions étaient très écologiques, il y avait des, des réclamations environnementales. Donc finalement, on se demande ce qui... Unis toutes ces personnes et cette semaine on publie une interview d'Henri Guénaud. Il a trouvé une formule. En fait, il dit lui ce qui, ce qui, les, ce qui les unit, c'est la phobie anti Macron. En fait, c'est un peu comme si le, le président de la République était euh, l'antithèse de ce de, et, et enfin représentait tout ce qu'ils détestent. L'antithèse de leur vie. L'élite, la réussite, euh, c'est quelqu'un qui a réussi très vite, qui a eu, euh, qui a eu de la chance d'une certaine manière, qui a eu un peu la, un alignement de planète pour lui. Alors que eux, ils sont dans leur petite euh, vie et aujourd'hui, qu'est-ce qui et face à eux, la croissance ne leur permet pas d'avoir de, des, des promotions rapides. S'ils ont une petite entreprise, ça leur permet pas d'avoir une vie plus facile. Les perspectives d'être augmentées quand il y a une inflation assez basse, elles, sont, elles existent peu. Les perspectives de vendre votre maison plus chère, si vous êtes dans cette France périurbaine, elles n'existent pas non plus. Donc comment on s'en sort Et il vient faire un discours, il essaye de montrer qu'il les considère, qu'il écoute, qu'il entend, mais... Ça va pas changer leur leur destin demain. Or eux, ils voudraient qu'il y ait une éclaircie. Qui ils... ils veulent du sonnant et du très ils, ils veulent de Ils veulent surtout pas simplement. Pas simplement. Vous voyez ce que je veux dire parce que tout ils à l'heure vous de... disiez il y a pas de le gouvernement ne peut pas apporter de réponse. Eux, ils disent si on veut un frigo plein et on veut euh, une aide, on veut quelque chose sur le pouvoir d'achat. En réalité, quand on regarde la, la, la sociologie des gilets jaunes, ils parlent beaucoup de de, ils parlent de vacances. On voit que ce sont pas les Français les plus euh, les plus pauvres. Cela euh, le gouvernement le gouvernement a essayé de les aider. Il y a encore des, des, des réformes sur la manière dont on va moduler les allocations logement, qui vont faire que ça va un peu améliorer peut-être leur, leur pouvoir d'achat parce qu'elles seront davantage liées aux revenus, donc ça sera, mmh. ça sera plus efficace. Mais pour les, ceux qui gagnent un tout petit peu plus le gouvernement ne peut pas faire grand-chose à part ses, ses, ses aides, tout ce qu'il a déjà fait, les chèques énergie, les aides, euh, les aides à l'acquisition la, ah, de voitures. Donc, euh, bon, il peut remettre cette fameuse, euh, ce fameux crédit d'impôt de transition énergétique, mais c'est pareil. Est-ce que ça va leur donner le sentiment d'avoir euh, mmh. un espoir de, de vie, de changement de vie formidable, de, de ne pas risquer de tomber dans ce déclassement et d'avoir une la possibilité de, de franchir ouais. une marche dans la société, c'est ça qu'ils veulent et, et c'est ça qu'on ne peut pas donner en deux jours. Jean-Garrigue. Oui, alors moi j'ai dit de, de, sur ce plateau les, les, les autres, le fois où j'ai eu à parler des gilets jaunes, ouais. que de toute manière, euh, on, on voyait bien que cet enjeu de la taxe carbone n'était qu'un prétexte, une goutte d'eau qui faisait déborder le vase de 40 ans, de 40 ans de frustration de la part d'une France euh, isolée, enclavée, une France des, des classes moyennes qui... Des classes moyennes inférieures qui revendiquent beaucoup de choses, qui se sentent mal à l'aise dans la société contemporaine. Tout simplement, c'est une crise de société qu'ils manifestent. Comment voulez-vous répondre par un discours ou même par des mesures, sachant qu'au fond, un président de la République, aujourd'hui, en 2018, ça a finalement assez peu de pouvoir C'était la question par rapport que je voulais vous poser. Ça va peut-être vous contraints. paraître naïf, mais on se dit, bon, un discours du président de la République élu mmh. au suffrage universel, c'est la France, un pays très politique. Ça pèse plus Ça pèse plus un discours du chef de l'État parce que je pense que les gens comprennent, ou en tout cas, euh, ils vont comprendre, <laughs> et les gens comprennent que finalement, sa marge de manœuvre, elle est assez restreinte ouais. par rapport à ce qu'est l'espérance de, de ce mouvement, qui est véritablement, euh, je le répète, l'expression d'une frustration euh, décennale. Ouais. Euh, comment voulez-vous apporter des solutions Alors, lui, euh, vous savez, la formule qui va devenir célèbre, c'est que lui, il parle de, de la fin oui. du monde, et eux, de la fin du une monde. C'est mais... de Nicolas Hulot. Voilà, alors, cette, euh, il aurait été bien inspiré déjà lui d'expliquer de, de, en quoi on pouvait concilier les deux mais ça c'est autre chose euh, je pense que par rapport à, à la, la gravité euh, à la force de, cette, de cet enjeu euh, un, un président de la république s'est désarmé et, et je pense qu'on parlait de phobie anti-macron je pense qu'Henri Guénaud a oublié ce que c'était que la phobie anti-sarkozy ou la phobie anti-hollande je veux dire que derrière la phobie anti-macron il y a effectivement un sentiment de, de déclassement un sentiment d'opposition par rapport aux élites ça c'est ça c'est sûr, et que Macron euh, à un moment donné, il cristallise cette, cette opposition, mais ça va beaucoup plus loin, plus loin que ça. Mais donc, vous l'historien Jean Garrigue, quand vous regardez les mouvements sociaux les résolutions des mouvements sociaux, à un moment donné, quand il y avait une prise de parole publique comme ça, ça pouvait changer les choses de la part du chef de l'État, ou est-ce que là-dessus c'est une constante, quand la colère est sortie du tube, comme on dit, c'est difficile de la faire rentrer. Ou est-ce que là, vous sentez, encore une fois, avec le regard qui est le vôtre, euh, voilà, qui est, qui, qui est celui d'un de, euh, de, de, œil d'historien, est-ce qu'il y a quelque chose de singulier ou est-ce que c'est toujours comme ça Non, il y a quelque chose de, de, de très singulier, parce que euh, si on prend l'exemple de mai 68, peut-être la dernière grande révolte euh, euh, sociale, qui d'ailleurs, euh, quantitativement, est beaucoup plus importante que ce qui se passe là, mais, mais qui, qui, qui révélait peut-être des choses moins graves. Euh, euh, on voit bien qu'il avait suffi d'un discours du, du général de Gaulle, d'une manifestation pour que les choses rentrent après dans l'ordre. Sauf que, sauf que, à terme, les problèmes n'étaient pas résolus et qu'un an plus tard, le général de Gaulle avait démissionné. Donc on, on voit bien que ce sont des choses très très profondes et qu'il euh, qu est très difficile, okay, très difficile, en tout cas aujourd'hui, de répondre. Le mouvement, euh, on dit, ça va peut-être recommencer, c'est la question qu'on peut ce soir, euh, samedi, et on va revenir à, davantage dans le détail, mais... Le mouvement il perd de l'intensité. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui expliquent que, au fond, c'est le pari du gouvernement de dire ça va s'essouffler, les gens vont finir d'aller sur les ronds-points, euh, comme le disait tout à l'heure Roland Kerol. Ça va plus les, 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 ben, il faut les amuser. C'est un peu le paradoxe depuis le depuis le premier jour, puisque depuis que le mouvement a commencé le, le 17 novembre, il est en décrue dans la rue, dans la mobilisation, la grosse mobilisation le 17 novembre. On l'a vu la semaine d'après, était un peu moins importante en France en général et à Paris en particulier. Et dans la semaine, sur les blocages des, des ronds-points, des, des péages, il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, on était à moins de 2000 personnes qui, qui, sont, qui, sont, qui sont dans la rue. Sur l'ensemble du territoire Sur l'ensemble du territoire. C'était oui. les chiffres à midi. Euh, et il y a un paradoxe par rapport à ça, puisqu'il y a de moins en moins de monde sur, sur place, et en revanche, il y a une adhésion qui semble de plus en plus, de plus, en plus importante du pays. du pays. Et puis, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est intéressant, parce que vous avez dit qu'il y a 80% des Français qui disent que les propositions de Macron sont insuffisantes. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 80% des Français qui, qui ont compris les propositions de Macron. Moi, personnellement, je fais partie des 20%. Vous ne les avez <laughs> pas comprises. Il y a une technicité dans, dans, dans tout ce qui est fiscalité écologique qui est très difficile à comprendre, honnêtement. On ne comprend pas tout ce, tout, ce qui a, tout ce qui a été dit par le président Macron. Mais il y a un a priori négatif contre mmh. Macron en ce moment. Dès qu'il dit quelque chose, les gens, même s'ils n'ont pas perçu, je pense que la plupart des Français n'ont pas écouté son, inter son intervention puisqu'elle était en pleine journée, même s'ils n'ont pas perçu ou entendu ce qu'il a dit, ils partent du principe qu'ils ouais. ne sont pas satisfaits par ce qu'il a dit. Il y a cet a priori négatif qui est vraiment qui est vraiment très important. Et je pense que là, même s'il y a une décrue en termes de nombre de manifestants, le, le côté radical de la manifestation de, de la semaine dernière dit quelque chose quand même de l'évolution du mouvement sur le terrain. Et c'est ça qui inquiète le plus aujourd'hui les autorités. Ceux qui restent aujourd'hui sont les plus radicaux. Syndicaux. Pas, forcément, pas, ça, pas forcément, mais c'est euh... pas ce qu'on voit sur les images, sur les reportages en tout cas nous. Non, c'est pas ce qu'on voit sur les images et, euh, et surtout, euh, je pense qu'il y a vraiment une dualité sur les Champs Élysées la, la semaine dernière. Euh, il y a eu une dualité, il y a eu une partie de casseurs de manifestants, mais oui. à côté il y avait beaucoup de manifestants qui étaient là, qui étaient venus, qui étaient pacifistes et qui n'ont pas vraiment non plus compris ce qui s'était passé et qui pour la plupart ceux qu'on avait contactés nous du côté du monde la semaine dernière, quand on les a recontactés cette semaine, ils avaient l'intention de revenir sur les Champs Élysées. Ils n'ont pas été dégoûtés par cette manifestation. Donc, ça sera intéressant et de voir ça On va y revenir samedi. parce que ça pose des vrais problèmes, en tout cas, de, de maintien de l'ordre, parce que je ne suis pas sûre que beaucoup au sein du gouvernement, ou même peut-être dans la société française, aient envie de revoir euh, ces images. Et peut-être même du côté des, des Gilets jaunes, ils ont été un peu choqués, hein, parce qu'ils ont vu euh, aussi ils, sur Ils ont été, une, ils ont été très choqués, et euh, on en revient à cette forme inédite de mobilisation. C'est des gens qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas l'habitude de manifester, ne connaissent pas les, les codes de la manifestation, et donc ont été un peu choqués par ce qui s'est passé, notamment avec les gaz lacrymogènes, etc. Alors, ceux qui espéraient un dialogue ont peut-être étaient déçu Au sortir de la réunion avec le ministre de l'écologie, François de Rugy, l'un des représentants des Gilets jaunes, appelait à la mobilisation euh, samedi les mots du président. Les propositions du gouvernement semblent tomber à plat pour des manifestants qui dénoncent les fins de mois difficiles et les frigos vides. Les dialogues. Un dialogue de sourds qui se poursuit donc. Marianne Romani, Pierre-Mier Belando. C'est finalement François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, qui les a reçus hier soir. Deux porte-parole des Gilets jaunes face au gouvernement, une première rencontre très attendue, mais à l'issue d'une heure trente de face à face, la colère ne retombe pas. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que non, il n'y a, a pas de réelle envie d'améliorer de, de, le, le, le sort des gens. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il, il, sera, il y aura le rendez-vous euh, comme samedi dernier aux Champs-Élysées. La en, fait, les, en fait, le, le, le souhait de, de tous les Gilets jaunes, c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Élysées. Déterminé, le mouvement ne faiblit pas. L'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes est enclenché. À la sortie, François de Rugy tente de rassurer. Pour le ministre, il ne s'agissait là que d'un premier contact. Bien sûr, nous n'étions pas là pour apporter des réponses immédiates. Ce que j'ai rappelé, c'est que nous étions prêts à organiser des débats dans tous les départements, où les citoyens qui sont impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes pourraient venir s'exprimer. Mettre les formes, jouer l'apaisement tout en restant ferme. Interrogé ce matin, le Premier ministre prend le relais. Édouard Philippe se dit prêt à recevoir une délégation représentative de gilets jaunes, mais ne cède pas. Les taxes sur les carburants augmenteront bien en janvier. Oui, oui, oui. oui. Le, janvier, le président oui. l'a dit. On a fixé un cap et, et, et on va tenir ce cap. Et, vous et, ensuite, et, et ensuite, et ensuite, le président de la République a indiqué comment est-ce qu'on allait alors, procéder à ces augmentations alors je vais pour revenir. être à la fois déterminé et raisonnable. De quoi attiser la grogne des Gilets jaunes, qui réclament en particulier des mesures sur le pouvoir d'achat, mais pas seulement. Entre autres revendications, la suppression du Sénat, l'exonération des heures supplémentaires, la réduction des salaires des membres du gouvernement ou encore une consultation plus fréquente du peuple. Rendre la parole aux Français, c'est aussi ce que suggère à Emmanuel Macron, le président des Républicains, sur les plateaux de télévision. Laurent Wauquiez délivre volontiers ses conseils. Il faut donc sortir de cette impasse. Le président défend une écologie qui est une écologie par les taxes. Je pense que c'est une erreur, mais c'est un débat qui doit avoir lieu, puisque ce débat n'était pas posé dans la campagne de la présidentielle, qu'il n'a pas clairement dit à ce moment-là l'intensité qu'il voulait. Il faut donc qu'il y ait une consultation des Français. Cela passe pour moi par un référendum. L'opposition galvanisée par la crise politique. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale aujourd'hui, quasiment tous les partis continuent de dénoncer l'inflexibilité du gouvernement. J'ai pas entendu de réponse. J'ai entendu on est droit dans nos bottes et on suit le même cap. C'est pas une réponse. On a un pouvoir qui sourd au devant des Français, qui cherche surtout à gagner du temps. Monsieur Macron a dit qu'il ne changerait rien, qu'il ne modifierait rien. Alors à quoi ça sert de recevoir. Les gilets jaunes. Dialogue de sourds, crie l'opposition. Pédagogie, répond la majorité. D'abord, c'est une réponse graduelle. Donc, il faut un peu de patience. On a commencé à parler de méthode. On va aller sur le terrain, on va les rencontrer. On va, j'espère, les écouter, s'expliquer, peut-être aussi un peu se faire engueuler. Je pense qu'on a besoin de passer par là, de faire ça plutôt dans les préaux que sur les ronds-points. Et je pense que c'est la méthode qu'on va décliner dans les jours qui viennent et qui, j'espère, va convaincre que le dialogue peut se poursuivre de manière plus constructive que ce qu'on a eu aujourd'hui qui est d'une certaine manière un peu un dialogue de sourds, une colère qui s'exprime mais qu'on a besoin d'écouter. Une grande concertation de terrain est donc prévue dans les trois mois à venir. Cela suffira-t-il à éteindre le feu Selon un sondage publié aujourd'hui, de plus en plus de Français soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. 84% d'entre eux estiment qu'il est justifié. Et nous reprenons avec cette question. Euh, Est-il encore possible de gouverner si 100 000 personnes peuvent paralyser le pays c'est ah, plus que cent mille personnes, si on en croit le sondage qui vient d'être publié. Oui, c'est beaucoup de gens, et puis c'est la pression de l'opinion par les sondages, et c'est euh, la télévision. On, on a quand même que ça, euh, et comme il n'y a pas en plus grand chose d'autre à se mettre sous la dent, on baigne quand même beaucoup là-dedans. Donc ça, tout ça à la fois, c'est un peu dur à gouverner. Ouais. C'est vrai, et c'est vrai que euh, on peut pas gouverner comme ça, on claque dans les doigts et oui. rentrez chez vous. Donc, évit évitablement, on a besoin de quelques semaines pour mettre en place un dispositif dans lequel on va causer. Quand on commence à causer, on, on en sort toujours. Oui, on en sort toujours avec des arrangements, parce que c'est comme ça que la société est faite, que les gens ne sont pas fous et qu'on voit bien en face de gens euh, au niveau local, au niveau départemental, quand on va commencer à dire alors vous voulez quoi concrètement ici, on va voir ce qu'on a dans notre budget. Voilà. Si on engage une discussion, oui. Je pense qu'on peut en sortir. Mais il faudrait encore, encore faudrait-il qu'il y ait une discussion. Juste Très un mot aux sondeurs euh, que vous ouais. êtes, Lankérolle. Quand vous voyez ces chiffres-là, d'un soutien massif euh, de l'opinion au, au mouvement euh, en tant que tel, ça, ça vous surprend Non. Non. Y a, y a, euh, Malgré en, les violences, encore une fois. La question qui est posée par mes collègues, c'est moi, j'ai dit ce qu'il a inventé il y a longtemps, Merci. et c'est la même question qui est posée. Et il y a jamais eu, sauf pour la SNCF, pour lequel il n'y a pas une folle. Envie des gens qui y ait des oui. grèves à la SNCF. Mais si on met à part la SNCF, il n'y a jamais un mouvement, quel qu'il soit, qui a eu moins de 65% d'adhésion des Français. Ça veut dire ça renvoie à ce que disait Jean sur euh, Ça fait 40 ans que les colères montent. C'est que les gens, ils ont une sympathie pour les gens qui réclament du beefsteak. Voilà, <laughs> toujours. Quels que oui. soient les gens, les infirmières, les pompiers, euh, les, les machins libéraux, les gilets jaunes, a priori, c'est bien. Ils ont raison. Oui. Ils ça ont me... raison parce que si on avait le courage et si on avait le temps, on le ferait aussi, c'est ça Oui, oui, c'est oui. comme on parlait jadis de la grève par procuration, c'est la manif par procuration, ouais. oui. Euh, c est, c est... Vous savez, a... j'avais fait un bouquin il y a 7-8 ans où je disais que j'étais étonné parce que dans les réunions de groupe qualitatives que font les instituts de sondage, il y avait un truc qui sortait tous les soirs, une phrase toujours la même, quelle que soit la catégorie sociale, qui était « ça va péter ». Alors, on l'entend que... beaucoup en ce moment, roland et alors, et voilà, Et on l'entend depuis dix ans. Nous, on l'entendions ouais. depuis dix ans. Et quand on disait aux gens, ça va péter, quoi ben, On ne sait pas. On ne sait pas comment ça ouais. va se faire, mais ça va péter. Et pourquoi ça va péter Parce que c'est plus possible. Et ouais. c'est exactement ça qui est au cœur du truc. Et c'est très compliqué de s'adresser à ça. C'est pas je veux 100, 100 euros d'augmentation à la fin du mois. Ça, ça peut se discuter dans l'entreprise. Mais discuter avec toute une société qui dit. Ça suffit, il y en a marre, on n'en peut plus. Ça, c'est ouais. extrêmement compliqué et il faut ramener ça à des objectifs atteignables sur lesquels on puisse faire une négociation. Le SMIC, par exemple, c'est ce que disent exactement les syndicats, c'est ce que dit la CGT, qui dit bah, maintenant on va essayer de s'organiser, le ça va péter, le, on est en colère, ils l'entendent depuis bien longtemps à la CGT aussi, et ils disent eh ben focalisons cette colère, cette mobilisation sur l'augmentation du SMIC. Là, oui. on a eu à Édouard Philippe qui a été une nouvelle fois très ferme en disant. Oui, non. Je, pense, je pense que c'est une erreur. Alors, aussi bien le, la hausse du SMIC, ça pose d'énormes problèmes. Et tous les économistes vous le diraient. Ça, ça voudrait dire que tous les salaires, ensuite, par un effet de, de, de boule de neige, seraient augmentés. Enfin, je pense que pour l'instant, ce n'est pas envisageable. Mais simplement, on voit bien qu'au fond, ce mouvement n'est pas un mouvement de masse. Euh, mais c'est un mouvement qui a l'adhésion d'une de, majorité des Français qui est populaire, à, par ce précisément. Il, il, il reflète ces 40 années de, de frustration, ou, pe, ou peut-être plus. Je parlais tout à l'heure de, de mai 68. Mai 68, euh, ça s'est arrêté parce que le général de Gaulle avait la légitimité qui était la sienne, que plus personne ne retrouvera. Mais ça s'est arrêté aussi parce qu'il y a eu les accords de Grenelle. C'est-à-dire que le Premier ministre Georges Pompidou, il a négocié avec les syndicats, et euh, il y avait des syndicats, Jean-Guerrero. Il y avait des syndicats, et oui, oui bien sûr. Il a, mais ils ont négocié, et il y a il eu des a cédé avancées. Énormément. Et il a cédé énormément. Ouais. Et donc, ce qui veut dire que si vous voulez sortir d'un conflit de, de, de cette ampleur, parce que même si ça n'est pas un mouvement de masse, il est soutenu par une majorité des Français, à un moment donné, vous ne pouvez pas être droit dans vos bottes. Et à un moment donné, vous devez donner des signes. L'argument, c'est de dire, on a un cap. Oui, mais le on cap... Le on voit bien, on, dit, on vous dit, euh, on, on maintient ce cap. Sauf que, concrètement, dans la semaine qui vient de s'écouler, moi, je n'ai pas vu le cap. Parce que euh, euh, même Édouard Philippe avait dit au départ, par exemple, je ne recevrai pas les gilets jaunes. Maintenant, il est prêt à les, à les recevoir. Euh, au début, c'était je maintiens la taxe carbone. Et puis ensuite, on a sorti des mesures d'accompagnement. Donc on voit bien que tout ça, c'est une sorte de jeu qui vise justement l'essoufflement du conflit, à mesurer en quoi le conflit peut être néfaste ou pas, en quoi il peut affaiblir le, le pouvoir. Donc. On voit bien aussi que et ça c'est intéressant aussi c'est que à la faveur de ce conflit le, comment dirais-je l'équilibre entre le couple exécutif c'est-à-dire good cop bad cop mm. éventuellement un Emmanuel Macron qui retrouve une posture de, de compassion de président qui comprend mais pas, etc tout ça peut se, peut, peut se recréer et ça c'est pas le cap non plus parce que on voit bien qu'il y a une inflexion très nette mm. de la présidentialité ouais. macronienne de la manière dont il, il joue de sa présidence Donc en fait ils disent ils maintient le cap mais ils changent et oui, mmh. et donc ça c'est vécu comme une incohérence par, par les Français, par, par les Gilets jaunes, les premiers. Donc on voit bien aussi que là, il y a la nécessité, me semble-t-il, d'aller, de, voilà, de créer un dialogue. Ça, ça me paraît la priorité. C'est audible, à votre avis, pour les Gilets jaunes, vous qui avez suivi ça à, à l'Ops, de dire on n'a pas de marge de manœuvre vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'un des arguments du, du gouvernement que, que vous avez repris tout à l'heure à Kerrol, c'est de dire :« Ben non, on ne peut pas remplir les frigos, on ne peut pas faire en sorte que les fins de mois soient, soient moins difficiles, tout simplement parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Est-ce que ça c'est audible non. En fait, pas de marge non. de manœuvre. Pourquoi Ça dépend. En fait, j'étais très surprise. Hein. J'étais euh, en début de semaine à un séminaire européen sur, avec d'autres journalistes de tous les pays d'Europe. Et à un moment, une, de, une des consorts me dit, mais alors la France, est-ce que vous êtes prêt à redevenir le moteur économique de l'Europe Parce que vous avez vu la croissance en Allemagne ralentie. Et donc qui Ce n'est pas l'Italie. Donc qui va être le moteur économique de l'Europe J'étais un peu surprise. Je me dis, vous n'avez pas vu les, les, les images des gilets jaunes. Vous vous rendez compte dans quelle euh, situation on est en France On n'est pas du tout. On se sent pas du tout le moteur économique. Mais eux, à l'étranger, ils voient Emmanuel Macron comme le Français qui va respecter les règles européennes oui. et qui va être capable de faire le poids face à Angela Merkel pour faire changer cette Europe et pour qu'on ait davantage de coopération économique en Europe. Peut-être pour que les salaires augmentent en Allemagne et que euh, y ait, euh, euh, on commence à exporter davantage vers l'Allemagne et qu'on remette en marche la machine économique. Et vu de Bercy, vu de, du ministère des Finances, vu du Premier ministre, ce qu'ils espèrent, c'est qu'ils vont réussir à faire ça. C'est qu'on va. Euh, et, et, ils vont réussir à, à prolonger ce mouvement d'investissement qui est reparti quand même. On a eu 7% de croissance de l'investissement dans les entreprises en 2017. On a eu encore 14, 4% cette année. Et partout dans le monde, la croissance ralentit. Et eux, ils espèrent qu'ils vont réussir à prolonger la dynamique. Et si vous voulez, ils n'arrivent pas à expliquer ça. Non. Parce que ce n'est pas concret pour les Français. Mais quand ils disent tenir le cap, c'est ça qu'ils essayent de jouer ne pas perdre la position d'influence et la bonne image qu'Emmanuel Macron a en Europe et essayer de, de garder une dynamique française sur le plan de l'économie. Dans la série, est-ce que c'est inédit Est-ce que c'est rare de voir l'ensemble de la classe politique, on a entendu tout à l'heure dans le reportage Laurent Vauquier et d'autres, être. Aussi unanime sur euh, la solution, c'est-à-dire que la solution qu'il propose au gouvernement, c'est de dire, il euh, bah, faut céder, c'est ce que vous disiez à l'instant. Hein. À un moment donné, c'est tellement puissant, tellement, ça s'appuie sur une colère tellement profonde dans le pays qu'il faut lâcher. Euh, Est-ce que certains jouent ont des arrière pensées politiques La réponse tout est et oui, mais on a l'impression que de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, tous disent, en passant par Ségolène Royal et d'autres, il faut lâcher, euh, ça n'en vaut pas le coup. C'est pas inédit parce que ce qu'il lui propose à Emmanuel Macron, euh, tous les partis politiques, au fond, c'est de céder en espérant qu'au moment où il cède, tout, tout ce qu'a construit Emmanuel Macron en termes d'image, euh, on l'a dit euh, maintes et maintes fois, tous les clichés sur Jupiter, tout s'effondrera à ce moment-là, puisqu'il aura cédé sur, sur, sur quelque chose où il avait dit dès le début, non, je ne céderai pas. Donc il lui tend un piège entre guillemets politique en lui disant, c'est ça qu'il faut faire, vas-y. Euh, en revanche, leur unanimité est intéressante parce qu'on euh, parle beaucoup de récupération. Moi, je n'aime pas trop ce terme parce qu'on reproche aux partis politiques de, de faire ce pour quoi ils sont faits, c'est-à-dire euh, essayer de voir ce qui dans les colères du peuple, dans les revendications portées par le peuple, et en adéquation avec ce que eux portent comme projet politique. Donc tous essayent de voir ce qui est dans leur programme, dans ce que eux portent. Qu'est-ce qui peut être en adéquation avec les Gilets jaunes et essayer d'être le parti le plus attractif, le plus en adéquation Eux, ils sont totalement dans leur rôle, mais clairement, quand ils sont face à Emmanuel Macron, qui quand même les a globalement écrasés depuis un an, ils avaient très peu d'espace d'expression, et pour la première fois depuis un an, ils sentent un président affaibli, et donc ils y, vont, ils y vont gaiement, tous ensemble, en lui proposant de céder, en sachant que si lui cède, ça sera, ça sera un piège, évidemment. Est-ce qu'il est en train d'emporter le match on a bien compris qu'il joue de part oui. et d'autre le bras de fer. Oui. Hein, il y a de la posture, vous l'avez très bien raconté euh, jean Garrigue, de la part du gouvernement, en disant je ne lâche rien, mais quand même je lâche un peu. De la part des, euh, des manifestants eux-mêmes, des Gilets jaunes, de dire on tiendra bon, mais on voit bien que la mobilisation est en train de, de baisser ici ou là. Est-ce que le gouvernement puisqu'il joue le jure, puisqu'il joue l'essoufflement, est en train d'emporter le match, à votre avis, Roland Kerol. Je crois que c'est possible, euh, que, que la nouvelle logique imprimée, la nouvelle gouvernance, comme on dit, euh, imprimée par Macron a une chance de marcher. Mais je crois qu'il faudra qu'elle s'appuie sur des mesures immédiates, pour prouver qu'on fait quelque chose tout de suite. Et moi, je, ce, que, ce que ce mouvement me rappelle quand même le plus, c'est le mouvement Poujade, entre 1953 et 1956. C'était exactement les mêmes mots d'ordre. Euh, non aux taxes et aux impôts, euh, non à la fiscalité en général, euh, les, les petits contre les gros, non aux élites politiques, et non à tous les élus. C'était ça. Et pourquoi ça a duré Il y assez avait un longtemps leader. vous avez même rappelé son nom. Il y avait un leader. Voilà, Pierre Poujade, et euh, puis libraire... Euh, euh, oui. De s'insérer dans le lot papetier, papetier. librairie papeterie ça s'appelait oui. à l'époque. D'abord on disait le libraire. C'était un, un leader et c'est comme Alors, ça que ça, ça a ça. commencé. Voilà. La différence. Ça ça a été beaucoup, très utile, mais pourquoi ça a continué fortement oui. Parce qu'à la surprise générale, maintenant dans les bouquins d'histoire, on dit un mouvement d'extrême droite, le mouvement Poujade Non, c'était pas du tout au départ spécialement un oui. mouvement d'extrême droite. Euh, pendant plus d'un an, le Parti communiste français l'a totalement soutenu. Oui. Alors que quand on voit a posteriori, on se dit, mais qu'est-ce que les communistes sont allés faire là-dedans Exactement comme les partis aujourd'hui. Ils ouais. se sont dit, oh là là, les révoltes de la misère, on ne peut pas être contre. Hein. Euh, ils sont êtes... tous derrière désormais. Voilà. Alors, il, a, il a fallu plus d'un an au Parti communiste pour euh, s'enlever et s'apercevoir ouais. qu'en effet... Bon, mais ils ont fait 50 députés en 1956, les populistes, ouais. dont Jean-Marie ouais. Lauche-Marie. Jean bon. Je... une, une autre question. Donc si on, il faut absolument, si on enclenche une vraie discussion, il faut apporter des billes. Pas seulement on discute. On voit, on voit localement ouais. tout ce qu'on peut faire, mais quelques trucs. Moi, je suis absolument sidéré qui n'est pas branché sur l'augmentation de janvier des carburants. Non. Il y a des choses sur lesquelles. Mais enfin quoi Ça coûte quoi à l'État de faire une chose pareille ouais. C'est-à-dire de céder ou un moratoire oui, oui, hein l'un, l'autre. Alors, on va, on va poursuivre cette discussion si vous le voulez bien, mais je voudrais qu'on avance sur le, le deuxième reportage. Les images ont fait le tour du monde, celle des Champs-Élysées sous une épaisse fumée noire. Le ministre de l'Intérieur, qui avait ciblé l'ultra-droite, est pris la partie désormais par le Rassemblement national, qui demande même sa démission, mais aussi, plus surprenant, par exemple, par Ségolène Royal, qui met en cause le gouvernement. Responsable, selon elle, de la rage des gilets jaunes, alors que les forces de police semblent craindre de nouveaux débordements. Justement, samedi prochain, Juliette Vallon, Mathieu Lignon. Quatre jours après la manifestation des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, difficile de ne pas remarquer les traces de violence toujours présentes, avec ses vitrines brisées et ses feux de signalisation hors service. Alors avec une nouvelle manifestation annoncée samedi, les inquiétudes sont nombreuses et la polémique politique s'emballe. Ce matin, c'est Ségolène Royal qui pointe du doigt la responsabilité d'un exécutif inflexible. Je pense que c'est une désolation pour la politique ce que l'on voit. On n'a pas le droit de lancer, de, 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 de perturber comme ça un pays, de semer le désordre avec des décisions politiques qui mettent les Français en rage. L'ordre public au cœur du débat politique. Car tout le monde a en tête ces images qui ont fait le tour de la planète. Ces flammes devant l'Arc de Triomphe. Ces manifestants pavés à la main qui affrontent les forces de l'ordre. Des scènes de guérilla urbaine. Et depuis ce week-end, chacun se renvoie à la responsabilité des violences. Samedi, c'est le ministre de l'Intérieur qui lance les premières accusations. Ce que je constate depuis ce matin, à travers cette mobilisation de l'ultra-droite, c'est qu'au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions. Inadmissible pour Marine Le Pen. Depuis lundi, le Rassemblement national fait circuler cette pétition sur les réseaux sociaux pour réclamer la démission du ministre de l'Intérieur. Monsieur Castaner, c'est le poker menteur. Voilà, c'est le poker donc menteur. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça maintenant. Le mensonge est énorme. Et puis la manipulation politicienne qui consiste à essayer de faire de l'électoralisme sur un sujet aussi important que le maintien de l'ordre dans une manifestation, c'est indigne d'un ministre de l'Intérieur. Et si la présidente du Rassemblement national ne lâche rien, c'est parce que les profils des casseurs présents sur les Champs-Élysées samedi sont très variés. Sur la centaine d'individus interpellés, plusieurs sont déjà passés en comparution immédiate en début de semaine. Parmi eux, un chauffeur de bus, un surveillant pénitentiaire, une mère célibataire ou encore un conseiller financier. Des individus qui, selon leurs avocats, n'appartenaient pas forcément à un groupuscule politique. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui ne se préoccupait pas des problèmes de société il y a encore quelques semaines. Et qui tout à coup est venu rejoindre un mouvement social, économique, de revendication. Il ne venait pas pour casser. Du côté de la police, il y a bien eu des meneurs à l'origine des violences sur les Champs-Élysées, des meneurs issus de groupes radicaux de différents bords. En fait, tout est parti de là où euh, les euh, activistes de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche euh, ont un peu entraîné les gilets jaunes derrière. D'ailleurs, les ultra-droites, ultra-gauches avaient aussi des gilets jaunes euh, pour se fondre dans la masse. Ils sont très très habiles d'ailleurs euh, pour s'équiper à l'intérieur des manifestations. Et ils ont euh, donc commencé à mettre à rude épreuve en prenant le mobilier urbain, en jetant des pavés, en les arrachant sur euh, du sol. Des syndicats qui s'inquiètent de possibles violences lors de la manifestation de samedi prochain, d'autant qu'ils estiment ne pas avoir les moyens nécessaires, selon Alliance Police, il faudrait 1000 CRS de plus pour sécuriser le quartier des Champs-Élysées. Je me tourne vers vous, Nicolas. J'appuie cette question. Faut-il laisser la manifestation de samedi se faire Elle est posée cette question Ou s'ils veulent manifester, ce sera comme la, la semaine dernière, c'est-à-dire une manifestation interdite Le, le problème, c'est que c'est le même depuis le début de, de ce mouvement. C'est qu'ils n'ont pas tellement le choix, puisque les manifestants ne déposent pas de, de demande de manifestation. Ils vont sur les Champs-Élysées. Euh, la dernière fois, euh, samedi dernier, le gouvernement a proposé que ça se fasse au Champ de Mars. Et il y a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé le mot. Ils vont nous encager au Champ ouais. de Mars. Ça va mal se passer. Donc on va aux Champs Élysées. Et on l'a vu. Sur les gens qui étaient aux Champs Élysées ne voulaient pas qu'on leur dicte l'endroit où ils allaient manifester. Ils voulaient choisir eux-mêmes l'endroit où ils allaient manifester. Et ils considéraient à plusieurs titres que les Champs Élysées c'était symbolique qu'il fallait qu'il fallait manifester là. Après, ce qui est intéressant sur sur le maintien de l'ordre qu'a eu qu'a eu samedi, c'est qu'il y a eu beaucoup de leçons qui ont été données après. Un maintien de l'ordre, c'est très compliqué, surtout quand une manifestation comme celle-là mêle des gens qui sont venus pour défiler pacifiquement et d'autres qui, qui sont là pour casser. Euh, donc les forces de l'ordre ont protégé. Les symboles de l'État que sont l'Élysée, la place Beauvau, le palais Bourbon. Et ensuite, c'est un choix politique de savoir est-ce qu'on disperse une manifestation ou est-ce qu'on laisse la manifestation se dérouler. On va voir le choix que va faire Castaner, Castaner samedi prochain, mais c'est vraiment un choix politique. Les forces de l'ordre, elles sont là avant tout pour sécuriser les lieux de pouvoir, pour surveiller l'avenue. Et ensuite, et elles choisissent ou pas de laisser défiler, de laisser les gens manifester. Mais on peut pas imaginer une configuration qui soit identique, non c'est tout, si. tout à fait imaginable. Si les gens ont décidé de se rendre à un endroit, à un moment, ça coûte plus cher politiquement de chercher à les disperser. Et ça veut dire qu'il va y avoir des blessés, ça veut dire qu'il va y avoir des affrontements. Ça coûte plus cher politiquement d'essayer de les disperser que de les laisser se rassembler, surtout s'ils ne sont pas ouais. extrêmement nombreux. Comme la dernière fois, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Il euh, y a un moment où les forces de l'ordre seront peut-être obligées de les laisser se rassembler à un endroit ou l'autre. Il y a une question de, de moyens, de, de présence policière. On le voyait dans le reportage, le syndicat Alliance qui dit qu il faudrait qu'on soit plus nombreux si on veut vraiment sécuriser le périmètre, est-ce qu'il y a une inquiétude de la part des forces de l'ordre C'est singulier pour eux aussi, il faut se mettre à leur place c'est vrai que c'est pas habituel d'avoir à la fois des gens qui, quand ça se passe avec les syndicats en gros c'est organisé d'une manière peut-être... Alors, euh, plus clair. D'habitude, quand il y a des manifestations, euh, chacun connaît les règles du jeu. Donc voilà, Il y a, le, il y a le, le défilé classique, puis en général, la tête de cortège ou la fin de cortège qui veut en découdre avec les manifestants. Là, le problème, c'est que les policiers sont face à, à des gens, comme je disais tout à l'heure, qui manifestent souvent pour la première fois, qui ne connaissent pas les codes et qui, du coup, quand, en général, quand les policiers envoient les gaz lacrymogènes, ça veut dire que derrière, ils vont intervenir. Donc les gens qui n'ont pas envie d'en découdre avec les forces de l'ordre, c'est le moment en général où ils s'en vont. Là, on est face à des manifestants qui n'avaient pas envie de s'en aller des Champs-Elysées, qui sont partis au moment des gaz lacrymogènes mais qui sont revenus par la suite. Et donc, euh, face à ça... Le pouvoir est un peu démuni parce qu'ils sont face à une foule qui ne veut pas partir. En revanche, la question des moyens, elle n'est pas si importante que ça. En réalité, il y avait suffisamment de moyens euh, samedi dernier. Le syndicat Alliance est dans une campagne parce qu'en ce moment, il y, les, il y a les élections professionnelles au sein de la police. Donc, il y a toujours une demande de moyens oui. supplémentaires, il y a toujours une demande d'un de, geste politique. Mais en réalité, la question, elle est politique. Est-ce que le gouvernement donne l'ordre ou non de disperser la manifestation au risque d'avoir un affrontement visuels devant les caméras avec des manifestants qui, eux, sont parfois pacifiques, parfois euh, peuvent être des casseurs. Il L'a fait donc samedi dernier, leur fera-t-il en tout cas C'est pas arbitré, c'est ça que vous nous expliquez C'est pas arbitré. Ce soir. Et la semaine dernière, il a surtout usé les gaz lacrymogènes. Les, les, les policiers ont chargé, on n'a pas chargé sur les, sur les manifestants. D'ailleurs, il, il y a eu beaucoup de blessés du côté des forces de, de l'ordre. Du côté du côté des des il, il y a eu beaucoup même... de blessés, surtout il y a eu des blessés graves. Il y a un policier ah. qui a failli perdre l'œil, euh, un policier qui a pris il un pavé. Non, il aura, Il garde un tout petit peu de vision, mais il a l'œil très abîmé. Un autre policier qui a pris un pavé dans le Enfin, plusieurs policiers qui ont été blessés très En très tout gravement. cas, si on revient à la lecture politique, là aussi, on s'est retrouvé face à un gouvernement qui a commencé par dire euh, c'est l'ultra-droite, etc. Puis on a vu les comparutions immédiates et puis on a vu des profils qui n'étaient pas euh, euh, forcément ceux qu'avait dépeint le gouvernement Roland-Kerrall. Non, non, c'est-à-dire qu'il y a visiblement eu une conjonction entre ces casseurs d'ultra-droite et des gilets jaunes à qui ça a fait plaisir aussi, euh, parce qu'ils se sentaient euh, menacés. Ils n'avaient jamais vu des camions à eau, des gaz lacrymogènes. Il y avait de l'extrême gauche aussi, vous dites. Extrême droite mais... Peut-être l'extrême-gauche aussi. Enfin, on voyait bien, sur l'ensemble des images, qu'il y avait des types cagoulés, euh, euh, armés de matraques, euh, mmh. qui n'avaient souvent pas de gilets <laughs> jaunes, d'ailleurs. Et puis, on voyait... Les... Ouais. Ouais, Il y en a euh, qui avaient euh, amené le matériel euh, anti-gaz Exactement. Alors, mais mais c'était une petite mais, minorité. Les, 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 comparaisons, les, les comparaisons immédiates ont été assez amusantes de ce point de vue, parce qu'ils expliquaient euh, euh, moi, j'avais un... un C'est vrai que j'avais un bâton dans mon sac, mais c'était pour me gratter le dos. Moi, j'avais un pavé, c'était pour rapporter à mon fils un souvenir. Voilà. Bon, il y avait quand même des gens qui ouais. étaient venus avec l'idée d'en découdre un peu. Voilà. Et, et, et parler avec les commerçants des champs élysées ils n'ont pas le sentiment qu'ils ont été vraiment victimes d'une agression forte de militants. Mais qu'il y avait des gens avec eux qui ils étaient sont emportés et qui se sont laissés embarquer. Donc c'est ça qui peut se reproduire a fortiori, peut-être s'il y a encore moins de monde samedi prochain. Et je ne vois pas comment Castaner peut faire autrement que la fois d'avant. Nicolas Chapuis nous dit très bien quel est le, le, mm. le choix qu'il a, mais avec ce soutien de l'opinion publique, aller euh, disperser une manifestation qui n'a pas de fin en plus, c'est pas un truc qu'on va de Bastille à la République, on est là et on occupe le truc. Mm. Et alors quoi on, 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 on va les disperser, ils vont revenir, et on va les redisperser. Donc à la question samedi, ça recommence, vous dites oui C'est très possible, je vois pas très bien comment on peut l'empêcher surtout. Oui. Oui, c'est une séquence d'apprentissage. C'est une séquence d'apprentissage à tous les niveaux. Je veux dire, que ce soit pour les Gilets jaunes, apprendre ce que c'est que d'organiser un mouvement de contestation, de protestation voire de voire de révolte on voit bien que ça tâtonne de partout que y compris les les huit de la fameuse délégation voir. sont contestés par les autres que les les mots d'ordre sont très différents d'un point à un autre même si on s'organise parfois de manière assez cohérente localement mais c'est très très différent très diffus mmh. mais on s'organise de c'est aussi un apprentissage du côté du gouvernement parce que on voit bien à quel point c'est ce que je disais tout à l'heure à partir de postures de fermeté on est allé vers une négociation on a saisi la la main tendue que donnait Laurent Berger, euh, enfin, les conseils de Laurent Berger sur un pacte de transition écologique, la Ça veut dire que sur la partie euh, Champs-Élysées, ils ont fait de la politique Le oui. gouvernement a fait de la politique ça, Ce serait pas la première toujours fois. toujours de hein. la politique. Voilà, Et d'ailleurs, euh, Christophe Castaner, c'est un ministre politique, ouais. qui est d'ailleurs flanqué d'un ministre beaucoup plus technicien, qui est Laurent Munez. Donc Forcément, ils ont fait de la politique, mais c'est vrai qu'ils apprennent aussi, parce que là, on a quelque chose qui, qui ne ressemble pas à grand chose. Il y avait de la violence du temps des, des Poujadistes aussi, beaucoup plus d'ailleurs que, que dans ce qui s'est passé dans les, dans les années 50. C'est pas étaient... violence ce à quoi on assiste. Vous avez raison de rappeler que c'est une configuration particulière. Il y a les réseaux sociaux, il y a mmh, mmh. les chaînes en continu, nous-mêmes nous, -mêmes est nous en parlons, etc. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui surajoute à la tension ambiante par rapport à la violence de certains mouvements oui. sociaux, euh, a... on est en dessous, c'est classique. C'est classique qu'il y ait des débordements de violence et souvent dans, dans les mouvements qui concernent justement ces catégories sociales là qui ne sont pas canalisées par, par les syndicats et là en l'occurrence, les syndicats sont tout à mmh. fait loin de, de, ce, de ce mouvement, vous avez forcément que ce soit les mouvements des agriculteurs, les mouvements des routiers, ouais. etc., il y a toujours eu des débordements de, de violence à plus forte raison il faut le dire aussi, il y a des casseurs qui viennent. Il y a des Black Blocs, il y a des gens de l'ultra gauche, de l'ultra droite, ils étaient là aussi. Donc ça, c'est assez, assez normal. Et c'est vrai que la réponse politique, elle est toujours compliquée parce que on n'a pas les codes par rapport. Ils à ce étaient type de là normaux. un peu, ils seront là plus samedi, à votre avis, les, les casseurs, les Black Blocs. Ça, c'est très, très difficile à dire parce que il y a un travail de renseignement qui est effectué par la police pour savoir qui va se rendre sur ces manifestations, qui est à l'appel des manifestations, qui est sur place. C'est pas toujours les mêmes. C'est pour ça que c'est intéressant. Les comparaisons immédiates étaient intéressantes parce ouais. que ceux qui ont appelé par des rassemblements violents, en général, ce n'est pas ceux qui derrière se font rattraper et finissent devant le tribunal. Euh, et donc euh, c'est impossible de dire euh, qui va être euh, qui va être là euh, samedi mais sur le niveau de violence globale de, oui. de la manifestation euh, du côté policier on estime que ça a été très violent euh, samedi euh, samedi euh, sur les champs élysées mais on est par exemple largement en dessous du niveau de violence qu'on a pu voir lors du 1er mai de l'année oui. dernière oui. qui avait été un avec peu un, les Black un, un sommet qui avec qui avait été un sommet on est largement en dessous et avec un nombre beaucoup moins important euh, de casseurs il y avait quand même encore, euh, encore une fois je dis sur les champs élysées une grande partie de gilets jaunes qui étaient pacifistes et qui n'étaient pas venus là pour en découdre encore une fois enfin, nous nous posons la question de savoir si ça va continuer si ça va recommencer il y a un aspect qui commence à être de plus en plus lourd pour le gouvernement c'est l'aspect économique qui se fait mais oui parce que est... tout ça c'est un peu les Français sont quand même un peu, un peu dans une situation un peu confortable et un peu hypocrite ils sont derrière leur télé mmh. ils regardent quelque chose qui se passe sur les Champs Élysées mmh. qui ne les concerne pas parce que même les Parisiens n'ont pas senti ce qui s'était passé. Enfin, ouais. ceux qui... C'était vraiment très localisé, localisé à Paris. Enfin. Les gens qui étaient en province ont eu à subir peut-être des ralentissements, des petits passages au rond-point. Mais c'était bon enfant et ça ne les a pas du tout gênés dans leur activité, dans ce qu'ils avaient prévu pour le week-end. Donc, c'est facile, quand on est finalement absolument pas concerné par ce de qui de se passe, de dire mmh. qu'on soutient un mouvement qui râle, qui râle pour son pouvoir d'achat, mais qui râle pour le pouvoir d'achat de qui Si on veut, euh, aujourd'hui, aider davantage les ménages modestes, ça veut dire qu'il faut bien quand même que quelqu'un paye, et quelqu'un paye, ça veut dire que c'est les impôts de quelqu'un qui vont aller vers quelqu'un d'autre. Donc on est confortablement installés en disant ah, ⁇ mais c'est la faute de Macron, c'est la faute de, ouais. de deux hommes en haut ⁇ et nous, on regarde les autres, euh, on fait grève par procuration, violence par procuration, en s'en moquant un peu. Ben, pendant ce temps-là, il y a quand même eu des baisses de réservations dans les hôtels, il y a quand même les étrangers qui regardent, qui se préparaient à venir passer les vacances de Noël à Paris, qui ne sont pas là, et vous avez des week-ends de décembre qui sont euh, absolument absolument essentiel pour le commerce, d'autant qu'on euh, a assez peu, il n'a il pas fait froid, donc par exemple tout le commerce de l'habillement a assez, euh, a besoin des soldes pour réussir à vendre et à écouler les stocks, et on voit bien que dans ces domaines-là, il y a des plans sociaux qui sont assez durs des réductions d'effectifs, et c'est tout toute la distribution. Non, pas, pas lié du tout à ce mouvement-là, ah, mais lié au fait que l'ensemble le, du secteur a pâti de la petite baisse de pouvoir d'achat début d'année. Alors ce n'est c'est pas le moment de les enf... de leur enfoncer la tête sous l'eau, quoi. Ils sont les visages de la contestation, oui porte-parole désignés sur internet et qui font désormais figure de délégation officielle. Le Premier ministre ce matin a dit qu'il pourrait les recevoir à condition qu'ils ne soient pas contestés naturellement en interne et c'est bien là tout le problème des gilets jaunes s'organiser et parler d'une seule voix portrait de ces figures du mouvement Walid Berissoul et Maxime Lioji. À la maison de la radio ce matin un invité inhabituel s'apprête à passer derrière le micro. Vous avez fait de la radio De la radio ouais. Non mais j'avais pas... jamais fait de télé de ma vie ni de radio avant tout ça. Okay. Maxime Nicole, 31 ans, intérimaire au chômage, prend place à côté des journalistes et d'un homme politique, de ça, Fabien Roussel, nouveau qui, patron du parti qui, communiste français. Son objectif, il l'a bien en tête, moi, ce qui, bousculer est le est système. Qui, euh, ce qui me dérange, est le... Les mesures qui devraient être apportées pour calmer les français, déjà ce serait la démission d'Emmanuel Macron. Ça se... Alors c'est peut-être... Euh, je, je l'ai dit sur un plateau, tout le monde m'a regardé euh, presque en faisant un, un avc, ce qui peut être euh, compréhensible. Mais, euh, mais, euh, mais si vous étiez sur les champs-élysées, euh, samedi, il euh, y a deux choses, c'était la marseillaise et manu démission. Mmh. Euh, fabien roussel. Euh, je, je, je pense que la sortie de crise, euh, oui, est... désarçonnée par la parole brute de ce gilet jaune. maxime nicole vient de bretagne. Il enchaîne depuis plusieurs jours les interviews dans la capitale. Et pas question pour lui de profiter des taxis que lui proposent les médias. C'est une question de transparence. Je ne suis pas venu là pour avoir... Je n'ai pas d'intérêt moi personnel là-dedans. Donc je, on se débrouille, c'est un mouvement populaire solidaire et on, on s'entraîne tous les uns les autres. Donc je ne veux, je veux pas, pas qu'on puisse dire que, que je suis là pour, quel, pour un quelconque intérêt. Maxime Nicole fait partie des huit porte-paroles des Gilets jaunes. Une délégation créée lundi et annoncée par un communiqué sur les réseaux sociaux. Parmi eux, on trouve les initiateurs du mouvement, Éric Drouet et Priscilla Ludowski, seuls pour l'heure à avoir été reçus par le gouvernement. Les autres se répartissent dans toute la France. Mais comment ont-ils été choisis Et par qui Certains, comme Maxime Nicole, sont très influents sur Facebook. Sa page a gagné plus de 60 000 membres en quelques jours. Porter la parole des Gilets jaunes une nécessité, dit-il, pour structurer le mouvement. Un soir, j'ai appelé euh, Priscilla. je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse une délégation euh, parce que sinon, on va se faire reprendre par un parti ou par un syndicat qui, eux, ont des structures, ont des financements, sont, euh, connaissent un peu tout ce système, savent comment, euh, on va pas manier les foules, mais euh, regrouper les gens. Et pour éviter que ce soit repris à plus grande échelle, on a, on a pris la décision de, 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 de s'auto-proclamer euh, personne qui, qui passe les messages. Voilà. Mais nous, c'est juste ce rôle-là. On passe les messages après, quand il y aura eu euh, des personnes qui seront élues au niveau national pour être porte-parole officielle. Moi, je rentrerai chez moi et je serai euh, sur des points de blocage. Surtout, euh, mais, euh, ne pas revendiquer de leadership. D'autant que le mouvement a vu émerger d'autres figures. À Marseille, Paul Marat, agent commercial, intervient régulièrement dans les médias, avec son gilet jaune et surtout des mots très durs contre la délégation censée le représenter. C'est pas qu'ils sont légitimes ou pas. Pour nous, ils, ils sont insignifiants. Ils n'existent pas. Ils n'ont pas la possibilité de renvoyer une quelconque parole ou un mouvement. Donc, euh, ils le seront peut-être. Mais on est en démocratie. Ça se fait pas comme ça. Quand on sera organisé, ben, vous aurez un porte-parole qui viendra au devant et qui, et qui fera des annonces, comme dans toute organisation. Ce sera posé, ça sera propre. Ça sera en plus beaucoup plus facile pour le gouvernement. Ça sera beaucoup plus facile pour les Gilets jaunes. Et ça sera beaucoup plus facile pour vous, la presse, parce que vous aurez enfin un vrai nom qui aura été qui aura été validé par les, mouvements, par, par les gilets jaunes du terrain. Choisir des représentants, une idée à laquelle beaucoup de gilets jaunes répondent à grands coups de dégagisme sur les points de blocage. Porte-parole, ça sera, ça sera euh, en, en, lui, le, le porte-parole c'est chacun du peuple. Le peuple est souverain. On n'a pas besoin de porte-parole. Le but c'est de déliter ce système auquel tout le monde est habitué, auquel les gens cherchent à s'adresser. Donc euh, dans tous les cas, ça tournera. Et toute personne qui se fera porte-parole de ce mouvement ne sera pas suivie. Alors qu'Edouard Philippe, lui, se dit prêt à recevoir une délégation de Gilets jaunes. À condition qu'elle soit représentative du mouvement. Ce qui est incroyable, jean et ce qu'on vient de voir dans ce reportage, voilà. qui saute aux yeux, c'est que même le fait de dire on choisira celui qui aura été élu, c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si eux-mêmes n'étaient traumatisés par l'idée d'être représentés par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cette fracture territoriale, sociale, elle conduit à une crise. Total de la représentation, quelque chose d'absolu, qu'on qu voyait un petit peu, par exemple en mai 68 aussi, euh, tous les pouvoirs étaient, étaient contestés. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que là, on voit, on est dans une volonté de démocratie absolue, un peu la commune de Paris était un peu comme ça, euh, ça, ça, leur a pas beaucoup euh, euh, été, été utile face à la répression. Mais euh, au fond, cette séquence, c'est presque la continuité, et c'est paradoxal, de ce qui s'est passé avec les nuits debout d'abord où on contestait, justement, où on voulait mettre de l'horizontalité dans la décision politique, de ce qui s'est passé avec La République En Marche, alors c'était pas les mêmes, c'était pas la même France, mais au fond, l'objectif était le même, on sort des partis traditionnels, des pouvoirs traditionnels, on fait, on fait remonter la, la politique de la base, et puis vous avez maintenant cette France-là, qui dit, ben bah non, nous on nous écoute pas, on n'en peut plus depuis 40 ans, alors on va s'exprimer, mais sans aucune structuration, c'est-à-dire que qu'on est dans une, voilà, une sorte d'absolu démocratique, mais qui est grave parce que sur le fond, ça rejoint cette crise de la représentation démocratique que vous trouvez dans toute l'Europe actuellement et qui parfois débouche, on l'a vu, sur des régimes de ce qu'on appelle la démocratie libérale, des régimes de semi-dictature. Donc c'est toujours dangereux ce type de, 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 de phénomène. Donc je pense que ça nécessite notamment, alors à mon sens, ce, ce qui va se passer dans la concertation, si elle a bien lieu, ces concertations locales, en utilisant les corps intermédiaires, en s'appuyant aussi éventuellement sur, le, sur les syndicats, en s'appuyant sur les élus de terrain aussi, que par exemple les, les élus de la République en marche trouvent leur ouais. véritable place dans ce, dans ce dialogue, ce qui, pour l'instant, n'est pas gagné parce qu'ils n'ont pas du tout la, la pratique de tout ça, ben ça ça pourrait être une façon de, de sortir un peu vers par le Vous avez raison ce, parce que ça, ça leur parle sans doute puisqu'on a appris aujourd'hui qu'ils étaient prêts à nommer des responsables locaux. Voilà. Autant les porte-paroles euh, au niveau national, voilà. on sent bien que ça, ça coince. Hein, Ils n'ont ouais. pas envie d'avoir cinq personnes qui vont dans les médias euh, fanfaronner. Ce n'est pas, pas du tout ce qu'ils souhaitent, mais des, des représentants locaux, ouais. ça, ça, les, ça ça semble plus acceptable pour eux, Roland Oui, c'est pour ça que je pense que c'est une, une porte de sortie ouais. là, qui, est, qui, qui devrait finir par, par prendre. Parce que euh, cette histoire, le, le dernier reportage qu'on a vu là, de toute façon, nous jamais, euh, ça continuera à tourner. Ça, c'est la certitude de l'échec. S'ils continuent comme ça, ils n'auront rien. Ils seront de moins en moins nombreux et ça va se déliter. L'autre voie, c'est en effet une acceptation d'un minimum de structuration. Les syndicats, par exemple, il y a cette question qui vous est posée ce soir par Nicolas, dans le Barin. Hein. Les Gilets jaunes ne feraient-ils pas mieux de s'appuyer sur des syndicats pour gagner ce combat Peut-être, mais ils ne le feront pas. C'est voilà, ça le problème. Sans doute, même. Mais je ne vois pas que tout à coup, ils se mettent à aimer les syndicats, alors que ça fait partie de leur cible, aujourd'hui. C'est tous ces gens qui ne se sont pas occupés de nous. Donc, euh, je n'y crois pas dans l'immédiat. Il faut qu'ils se donnent eux-mêmes D'autres gilets jaunes comme euh, ceux qui iront parler avec euh, le préfet, le président du conseil départemental, voilà. les gens qui, sur place, ont un peu de grain à moudre. Et éventuellement l'État. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on a vu dans cette crise un incroyable, une incroyable certitude que l'autorité de l'État, au plus haut niveau, ça, ça pouvait prendre des décisions. On voit rugir et qu'est-ce qu'on dit en sortant oh, Non, on voudrait voir le porte-parole du gouvernement, comme oui. si. Et le Premier ministre. Et j'entendais des reportages aujourd'hui de provinces, de régions, où les gens disaient « Oh, ouais, mais alors, allez discuter avec les élus locaux, le ça ». Non, non, nous, ce qu'on veut, c'est Macron. Donc, ouais. au même moment où on dit « Macron démission », le seul avec qui on veut causer, nous, c'est le chef. Voilà. Et, et, et donc, on est dans cette espèce de flou artistique. Moi, je crois encore une fois qu'il faut que quelque chose commence. Que on se mette autour d'une table oui. avec des gens qui acceptent d'être un peu responsables pour les autres. S'ils sont élus, c'est encore mieux parce qu'on a quand même rarement inventé mieux en termes de légitimité. Oui. Que l'élection Que l'élection. Voilà. Oui. Et, et ce que vous voulez, Macron d'émission, c'est un mode d'ordre absurde. Il est élu jusqu'au prochain mandat, il est là jusqu'en 2022, il va falloir que tout le monde le comprenne. Euh, L'Assemblée nationale n'a pas de légitimité. Elle a été renouvelée il y a un an et demi et il y a eu trois quarts des députés balayés à cette occasion. Voilà. il y a une façon de redécouvrir la lune chez les Gilets Jaunes qui peut Ou être sympathique, contester les institutions mais, mais, mais qui ne peut pas marcher. Qui ne peut pas marcher parce qu'en même temps, il faut qu'on se rende compte que les Français, les mêmes qui approuvent oui. les Gilets Jaunes, qui sont d'accord avec ces revendications. Ils respectent les institutions et ils n'ont aucune envie qu'on les change. Ils n'ont aucune, aucune envie que des assemblées proclamées, autoproclamées de citoyens prennent le pouvoir. Le, le, on n'est pas ouais. dans la République des soviets euh, nulle part dans l'état d'esprit des gens que nous ne sondons. Absolument pas. Nicolas Chapier, vous dire un mot Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que chez eux, il y a un paradoxe entre euh, le rejet de l'élite politique, ce que disait Roland karl et en même temps. Il croit dans le pouvoir euh, voilà. finalement d'Emmanuel Macron et, et d'Edouard Philippe, puisqu'il pense qu'une décision prise mmh. par Emmanuel Macron oui, ça, pourrait changer, pourrait changer. Euh, leur, leur quotidien, ce qui est malheureusement, je pense, pas le cas aujourd'hui. Il n'a pas, pas les armes pour les, pour les contenter. Très vite, avant de revenir aux questions des téléspectateurs, est-ce que ça raconte quelque chose quand Brigitte Bardot, Pierre Perret, le rappeur Karis, Patrick Sébastien, Franck Dubosc, Alain Ducret disent on soutient le mouvement des Gilets jaunes C'est tous les gens qui se parlent. Arnaud Ducret, pardon. Oui, oui c'est ça, Arnaud Ducret. Oui. Ils se pensent populaire, se pensent populaires, ils se vivent populaires, ils se disent c'est notre public, on, donc on les on les soutient. Mais est-ce que ça dit autre chose Ça dit quelque chose de, de la diversité de, de, de ce mouvement parce que, comme le disait tout à l'heure Roland, ce, ce mouvement il s'appuie sur des revendications auxquelles tout le monde peut adhérer. Je veux dire, on, on paye trop d'impôts, on voudrait savoir ce qu'on fait avec nos impôts, on voudrait plus de pouvoir d'achat. Donc finalement, c'est normal que, notamment, alors des gens comme Patrick Sébastien, on voit bien que ça cible aussi quand même un certain un certain public. Brigitte Bardot, qui a eu quand même toujours un le, mais, le rappeur euh, Carice et Franck Dubosc. Bah, ce sont des gens qui sont Populaires et oui. donc qui, qui se disent qu'au fond, bon, il, est, ouais. il est légitime qu'ils reprennent des, des revendications qui sont extrêmement populaires, hein, mais, mais parce qu'elles sont tellement, je veux dire, évidentes que euh, la réponse est Arnaud très. Arnaud Ducret, sur, sur, sur son, sa page Facebook, il dit On en a marre de casquer. Précisément, oui. même, on en a marre, je le cite, hein, de casquer comme oui. des porcs. Voilà. C'est un tout petit un petit peu indécent quand même venant d'acteurs qui, qui gagnent quand même beaucoup beaucoup d'argent. Je pense que là, euh, on peut le dire quand même en citoyen, euh, le consentement à l'impôt, ça fait partie aussi de la base de la démocratie. Et de la part de ceux qui gagnent beaucoup, c'est un peu euh, voilà. C est, c est... Et c'est le premier pas vers la solidarité quand même. C'est la première démarche de solidarité. De payer ses impôts. Impôt. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ça met en, ça met en lumière la dualité, surtout dans la revendication euh, contre les taxes. C'est-à-dire, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on est pour la baisse des taxes ou est-ce qu'on est pour une euh, meilleure répartition des taxes. Et ouais. ces deux objectifs qui sont totalement opposés euh, aujourd'hui. Ouais. Et quand on voit, quand on voit ce message-là, ça montre cette dualité dans, la, dans les revendications. Et nous revenons maintenant à vos questions. Pourquoi ceux qui appellent à manifester sur les Champs-Élysées, alors que c'est interdit, ne sont-ils pas interpellés maintenant pourquoi on les, on les laisse appeler à une manifestation euh, alors que c'est interdit de manifester, de manifester sur les Champs-Élysées Aujourd'hui, vous ne pouvez, vous pouvez pas mettre quelqu'un en prison parce que cette personne dit je vais me rendre sur les Champs-Élysées pour manifester. Ensuite... C'est assez rassurant. Ah. Oui, bien. <laughs> Quand bien <même>. ça, oui. <rire> <Vraiment>. <rire> Il faudrait, faudrait mettre en prison tous les gens qui ont, qui ont liké la page Facebook dans ce ouais. cas-là. Non, c'est les gens qui se rendent sur les Champs-Élysées. Euh, Champs voilà, ces gens-là, quand ils n'ont pas déposé leur manifestation, clairement sont dans l'illégalité, ce qui laisse ensuite le choix au ministre de l'Intérieur d'intervenir ou non. Manifestement, ouais. il a fait le choix euh, la semaine dernière de ne, pas, de ne pas charger, de ne pas intervenir. Les Gilets jaunes ont-ils les moyens financiers de rester encore longtemps au rond-point elle est importante cette question parce que c'est vrai que pour certains, euh, de, voilà, de ne de, de pas aller forcément travailler tous les jours, Ça certains se mettent que... en vacances. Hein. Ça pose la question de l'essoufflement euh, voilà. du, du mouvement sur lequel misait sans doute en partie le, le gouvernement, mais comme on voit quand même que ce, ce, ce mouvement fait tache d'huile, que il peut y avoir des relais euh, locaux, euh, non, la, la meilleure façon, je le répète, c'est pas de miser sur cet essoufflement financier euh, qui a fonctionné par ailleurs dans d'autres dans d'autres occurrences, y compris pour les les grèves de la SNCF, etc. Mais c'est de miser sur la négociation sur le terrain, la négociation locale. Je pense que, que là, c'est la c'est la vraie issue, en tout cas à, à l'heure actuelle. Était-ce au ministre de la Transition écologique de recevoir les doléances qui concernent surtout le pouvoir d'achat Quel message ils envoyaient aux Gilets jaunes en disant non. vous allez parler à François de Rugy. Bah, c'est le ministre de la transition écologique oui. et oui. tout ça est parti euh, d'une part de taxes carbone oui. sur les carburants et de la volonté de la rendre plus légitime et avec des compensations sociales. Et, donc c'est pas complètement absurde. Que ce soit euh, François de Rugy, évidemment, visiblement, il ne savait pas très bien qui était ce monsieur, euh, euh, ses que... interlocuteurs, ouais. et il voyait pas pourquoi, alors... pour parler du frigo, d'aller euh, voir le ministre de la transition. Oui, il a reçu la, la, la porte-parole, qui est celle qui a lancé la pétition, qui a, qui oui. a tout fait partir, qui était une pétition dans laquelle il y avait davantage de demandes de politique écologique, de politique ouais. environnementale et d'un plan global pour la transition énergétique. Et donc, c'était assez logique euh, qu'elle qu le rencontre. Comment calmer le jeu avec une opposition qui alimente à outrance ce conflit? Mais Alors, ça, ça fait partie euh, du, du jeu politique traditionnel que d'utiliser. Visiblement, pour, ce téléspectateur déplore. Surtout pour une opposition ça, qui ça se sent ça, écrasée ça. Euh, dans l'enceinte du Parlement, euh, elle trouve évidemment des, des moyens qui sont parfois un petit peu contestables parce que appelé par exemple à un référendum, comme le fait Laurent Wauquiez, euh, on sait très bien ce euh, que, que, que ça déboucherait sur, euh, sur quelque chose de tout à fait à côté de la plaque. Je veux dire que que, que ça se transformerait en un référendum anti-Macron, que c'est pas le but de, de, de cette de ce, de ce mouvement. Enfin, l'objectif est beaucoup plus, plus ambitieux au fond que, que simplement le ramener à des préoccupations politiciennes. Oui. On n'entend pas le... beaucoup de propositions quand même de la part de l'opposition. Oui, oui. Est-ce que ça pèse Non, je crois que ça ne passe pas du tout. D'ailleurs, vous avez vu avant même que commence la crise des gilets jaunes, dans tous les sondages où on où les gens étaient oui. éreintes, Macron, on leur demande est-ce que chacun ferait mieux. Et la réponse aucun. Est non. Aucun, aucun ne fait plus que 19%. Il y avait peut-être une idée que, que j'ai trouvée donc, intéressante. Le... Il n'y a pas de crédibilité. J'avais de... une idée intéressante, juste en deux oui. mots, qui était celle d'Olivier Faure, qui demandait des états généraux, de la transition sociétale. Enfin, euh, Ça pourrait rejoindre ce qu'on va essayer de faire sur le terrain. On sait très bien que ça n'aura pas lieu. Donc... Le gouvernement s'attendait-il à l'ampleur des revendications, à votre avis je crois qu'ils ne s'attendait pas à l'ampleur du mouvement, ouais. mais je, le gouvernement, je crois qu'il n'a pas, pas discerné quelles pouvaient être les revendications. C'était beaucoup plus ça qui a gêné pendant deux semaines, qui est qu'est-ce qu'ils veulent au juste Qu'est-ce ouais. qu qu'on peut leur donner tout de suite qui calmerait tout ça Et personne n'a été capable de leur répondre, pas Les plus. carburants, ça aurait permis peut-être de calmer alors moi je pense non que là, je pense là, il y a eu une erreur de, ah. de gestion de la crise au début. Ah. Qu'en effet, ils auraient pu tout de suite circonscrire le problème à ça, à partir de la première pétition, essayer de causer, de lâcher un peu de l'est. Bon, ils ne l'ont pas fait. La solution de Roland de Kerol, c'est causer. Oui. Quoi qu'il arrive. Oui. <laughs> Allez, les Gilets jaunes <laughs> demandent la démission de Macron, et après Et après, il se passe quoi alors ça, ça, euh, ça rejoint ce qu'on qu disait un peu tout à l'heure, on est dans une crise de la, de la démocratie occidentale, et pas seulement occidentale d'ailleurs, euh, il faut bien voir qu'on est quand même dans une situation un peu explosive à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale même, euh, pour l'instant on a un président qui est élu pour 5 ans, c'est déjà peut-être pas suffisant me semble-t-il, je suis partisan... Du, du retour au septennat. Mais, mais euh, c est, c est, voilà, il y a, y a un président qui est, qui est élu. Je pense qu'il faut quand même laisser sa politique se, se développer et que ça me paraît absurde de réclamer sa, sa démission. Les gilets jaunes demandent-ils d'augmenter tous les salaires Cela est-il économiquement possible, Sophie Non, ce n'est pas économiquement possible. On augmente les salaires quand on augmente la productivité. Donc quand on trouve un moyen de, de, de gagner plus avec le, à travail égal. Donc c'est ça qui justifie ça. Parce que sinon, si on augmente tous les salaires, on va se retrouver avec un déficit commercial encore plus élevé. On va exporter moins, on va produire moins et on va, euh, on va se retrouver en crise économique. Même sur le SMIC sur le SMIC c'est compliqué. Vous savez, la, la, la stratégie du gouvernement pour le SMIC, ça a été d'enlever les charges sociales, d'enlever les cotisations sociales. Il l'a déjà fait, il l'a entendu, il a augmenté les cotisations sociales, il a augmenté la prime d'activité. Donc peut-être qu'il peut augmenter plus vite la prime d'activité. Ouais, ça, c'est serait une, une solution. L'urgence pour le gouvernement n'est-il pas de rétablir la justice fiscale je crois, ouais, oui, je crois en tout cas, si vous permettez d'un mot, qu'il oui. y a en effet un terme qui n'est pas assez prononcé par les partis politiques, oui. c'est celui d'inégalité. Parce que je crois qu'il ne s'agit pas de faire de l'antifiscalisme ou de l'antitaxe, etc. Mais qu'il s'agit en effet de regarder la répartition. Nous vivons un pays très inégal. Je trouve que le rôle des partis politiques, ça pourrait être de tirer un petit peu le débat, non pas des petits contre les gros en général, mais de la gestion des inégalités, de leur réduction dans ce pays. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.